Pas forcément l'école supérieure des télécoms. Tout l'ensemble de la rue. En fait, sur tout le quartier de la Butte-aux-Cailles, on va voir des constructions assez basses. Des maisons sur 2-3 étages, pas plus. Et ça, c'est dû à l'état du sous-sol de la Butte-aux-Cailles. Comme la plupart des buttes à Paris, le sous-sol de la Butte-aux-Cailles a été creusé. Il a été creusé pour récupérer notamment de l'argile et du calcaire, qui ont été en priorité utilisés pour les travaux haussmanniens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le sous-sol de la Butte-aux-Cailles ressemble à un gruyère. Donc il est très difficile de construire des immeubles, des complexes immobiliers imposants. C'est pour ça que la plupart des constructions dans ce quartier-là sont restées assez basses. Voilà. Alors il y a une construction dans le quartier de la Butte-aux-Cailles qui contredit ces propos. C'est la construction en fait de l'église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, qui est située au bout de cette rue. Si vous vous décalez, vous pourrez l'apercevoir, on la verra un petit peu mieux tout à l'heure. Qui est une église qui a été construite